Pour changer de la pomme, qu'on connaît par cœur, on jette cet automne notre dévolu sur sa cousine éloignée, la poire. Certes, elle se suffit à elle-même si on la croque au goûter, mais ce fruit se marie surtout à merveille avec certains ingrédients, pour un résultat sucré ou salé. Salé ou sucré, voici cette recette à la poire avec 7 ingrédients qui lui veulent du bien, donc c'est décidé, on troque la traditionnelle pomme pour la poire. C'est l'occasion de réaliser des recettes sucrées, clafoutis, poire belle hélène, tarte amandine, flan, ou salée avec de la pintade, des noix de Saint-Jacques, du foie gras, à tomber, dans les poires bien sûr. Et si vous avez l'âme créative, la poire est le fruit idéal pour de nouvelles expériences culinaires car elle s'accorde avec beaucoup d'autres produits. Voici quelques divines associations avec la poire qui peut-être vous inspireront. L'association de la chair juteuse et fondante de la poire avec la douceur du chocolat est un réel délice. Les épices, cannelle, clous de girofle, vanille ou encore cardamome, subliment le goût de la poire. Son goût sucré relève et adoucit les saveurs fortes du fromage, roquefort, fourme d'ambert, gorgonzola ou comté. Et enfin, comme ingrédient de farce ou pour une sauce, la poire trouve toute sa place à côté des viandes et des gibiers, porc, volaille, faisan, caille. Vous doutez ? Venez jeter un œil à nos 6 recettes à la poire, qu'il associe avec un ingrédient qui la sublime. Poire et calories, avec un apport énergétique de 50 kcal/100 g et composé à 87% d'eau, la poire est un excellent coupe-faim. Elle a un pouvoir rafraîchissant et de désaltérant. Le goût puissant du roquefort est adouci par le côté sucré et juteux de la poire. Une association de saveurs qui marche à tous les coups. Pour 4 personnes, préparation, 20 minutes cuisson, 12 minutes ingrédients, un morceau de roquefort, 2 poires conférences, 1 cœur de laitue, 1 cm cube de baie rosise, poivre du moulin. Voir la suite de la recette des papillotes de roquefort aux poires pour 5 personnes. Temps de préparation, 20 minutes temps de cuisson, 5 minutes ingrédients, une foie gras de canard cru de 500 g moins une pincée de sel et du poivre du moulin, 5 feuilles de brique, 30 g de beurre fondu. Ingrédients pour la sauce, un citron, 80 g de sucre de canne en poudre, 8 cl de vinaigre balsamique, un verre de vin blanc moelleux, 40 g de coulis de framboise, 2 verres de fond de volaille, du sel et du poivre blanc. Ingrédients pour les poires, 5 poires assez fermes, 50 g de beurre, du sucre de canne et de la vanille. Voir la recette des aumônières de foie gras aux poires avec un légume. Salade de fenouil aux poires pour 4 personnes. Préparation, 30 minutes cuisson, 10 minutes ingrédients, 4 petits bulbes de fenouil, une romaine, 2 poires, un citron non traité, 60 g de fromage blanc maigre, sel, poivre. Voir la suite de la recette de la salade de fenouil aux poires avec de la viande, magret aux poires, chocolat et pimente pour 2 personnes. Temps de préparation, 10 minutes temps de cuisson, 15 minutes ingrédients, un magret de canard, une boîte de poire au sirop, une demi-cuillère à café de chocolat en poudre, une pincée de piment d'Espelette en poudre, une pincée d'herbe de Provence, sel et poivre. Voir la suite de la recette des magrets aux poires pour 4 personnes. Préparation, 30 minutes cuisson, 35 minutes ingrédients, 100 g de chocolat, 10 g de cacao, 90 g de beurre, 100 g de sucre, 3 œufs, 50 g de marron fraise garniture, visage souriant poire conférence, 50 g de gelée de poire caramel, 3 marrons glacés, une gousse de vanille, 10 cl de crème liquide, 2 cl de lait entier, un demi-citron, 140 g de chocolat noir. Recette du fondant poire chocolate. Voir la recette sucrée et salée à réaliser avec des poires droits d'auteur et stock avec des épices. Tarte tatin poire et épices, cela poire et les épices, c'est une histoire d'amour. Pour 6 personnes, préparation, 20 minutes cuisson, 30 minutes ingrédients, pâte feuilletée, toute prête, 5 poires, 1 cm cube de cannelle en poudre, 2 clous de girofle écrasés, 1 sachet de sucre vanillé, 3 pincées de noix de muscade, 1 centiseconde de miel,
150 g de beurre, un moule qui supporte la passage à la flamme, voir la recette de la tarte tatin poire et épices, voir aussi la recette de la crème vanillée aux poires pour 6 personnes. Est temps de préparation, 30 minutes. Est temps de cuisson, 50 minutes. Ingrédients, pour une tôle de 24 cm de diamètre, 250 g de farine, 125 g de beurre mousse, 100 g de sucre, un œuf frangipane, 100 g de beurre, 100 g de poudre d'amande, 100 g de sucre, un œuf, une cuillère à soupe de rhum ou de kirsch, une cuillère à soupe de farine, garniture, 3 poires, 100 g de sucre, 15 cl d'eau ou 6 demi-poires. Aussi revoir la recette de la tarte aux poires à la frangipane pour continuer dans le sucré ou le salé, plongez dans nos recettes de tarte pour vous inspirer. Droit d'auteur Istok, reconnaître une bonne poire d'une autre bonne poire. Poire d'été, poire Guyot, elle a été créée par le docteur Jules Guyot en 1870. C'est la première poire à faire son apparition sur les étals à partir de la mi-juillet. Reconnaissable à sa peau verte et jaune et à sa chair couleur ivoire répondante en bouche, elle peut se déguster sans modération jusqu'au mois de septembre. Poire Williams, elle est plus trapue. Sa peau lisse et brillante accompagnée d'une chair juteuse, sucrée et très parfumée se déguste d'août à octobre. Excellente pour les compotes, confitures, eau de vie. La Williams se marie bien avec du fromage, roquefort, chèvre. Et accompagne merveilleusement le chocolat. Poire d'automne, poire beurrée hardie, elle nous arrive tout droit du Val de Loire, du sud et du sud-ouest. Elle se présente avec une peau rude et épaisse de couleur verte. Sous ce qui pourrait être apparenté à une armure, elle cache une chair fine, subtilement parfumée, mélangeant des saveurs sucrées et acidulées à découvrir de septembre à décembre. Sa chair très fine, parfumée, tendre, fondante, juteuse et sucrée avec des saveurs acidulées et légèrement musquées rend cette poire idéale à croquer comme fruit. Poire alexandrine, ses mensurations et son teint sont telles qu'on les imagine pour parler de la poire idéale. Sous cette peau bronzée, une chair ferme, parfumée et peu juteuse. Un véritable rayon de soleil pour les mois de septembre, octobre et novembre. Idéal à croquer. Poire Louis Bonne, cette poire plus allongée et légèrement juteuse est appréciée en septembre, octobre et novembre. Assez petite, à la chair acidulée, sous une peau fine d'un vert jaune, ponctuée d'un rouge vif, idéal à croquer comme fruit. Commis, la commise ou doyenné du commis est plus enveloppée que les autres. Ces rondeurs sont le temple d'une chair délicate recouverte d'une peau jaune pâle qui illumine les étals d'octobre à février. Poire d'hiver, poire conférence, elle est fondante à souhait, juteuse, sucrée et très parfumée. Sa forme très allongée la distingue et lui donne cette élégance particulière qui séduit les amateurs de poire entre les mois d'octobre et d'avril. Idéale pour les confitures, elle a une bonne tenue à la cuisson et permet d'accompagner divinement les mets salés. Poire bosque, de forme allongée avec un cou effilé, elle a une peau épaisse, rugueuse de couleur brune tirant sur le jaune. Sa chair est blanche, juteuse, granuleuse et très parfumée. Bien appropriée pour la cuisson et le pochage. Poire passe crassane, par sa forme, elle est l'opposé de la conférence. Elle est ronde comme une pomme. Porteuse d'un bouchon de cire rouge pour ralentir l'évaporation de son eau, elle propose une chair très juteuse et acidulée de décembre à mai. À déguster comme fruit de poire Angélie, cette poire créée en 2000 du croisement de la commis et de la passe crassane a tous les atouts d'une poire d'hiver. Une peau solide qui favorise la conservation et une chair fine, fondante, juteuse et parfumée sont notamment les points forts de cette nouvelle variété. Idéal à croquer comme fruit, comment choisir sa poire? Lorsque vous l'attrapez, la poire doit être à la fois lourde dans la main et tendre au toucher. Cependant, l'élément révélateur d'une bonne poire est son odeur. Elle doit dégager un délicieux parfum et sa peau doit être exempte de taches ou blessures. Si la poire que vous avez sélectionnée répond à ces exigences, vous ne serez pas déçu. Conservationnée comme la banane et l'avocat, la poire continue de mûrir après la cueillette. Il faut donc être particulièrement attentif à sa conservation. Il y a pour cela deux options, soit l'air libre, sans que les fruits ne se touchent entre eux, soit le réfrigérateur mais seulement dans le bac à légumes.
Dans ces conditions, les poires gardent leur saveur pendant 2 à 3 jours. Pour une conservation au réfrigérateur, il faudra sortir les poires une heure avant la dégustation pour qu'elles retrouvent une température ambiante et qu'elles délivrent ainsi tous leurs arômes. À noter que des changements de température successifs peuvent lui être fatales. L'atout santé de la poire. La poire est un fruit parfait pour préserver l'équilibre alimentaire. Peu calorique, 50 kcal pour 100 g de fruits, et riche en eau, elle constitue un très bon coupe-faim, parfait pour garder la ligne. Et si le fruit des dieux est pauvre en calories, il ne l'est pas en vitamines et minéraux. Vitamine C, 5 mg/100 g, carotène et vitamine E, potassium, 125 mg/100 g, calcium, magnésium, 7 mg, fer, 0,2 mg. Enfin, la poire est riche en fibres, elle en contient 2,5 à 3%, ce qui permet un meilleur transit intestinal. D'ailleurs, sa richesse en sorbitol favorise la digestion et qui a une action bénéfique sur les dents. Un peu d'histoire de poire. La poire est un fruit de la famille des rosacées originaire d'Asie centrale et de l'Europe occidentale. Elle existait déjà au temps de la préhistoire. Les Grecs l'appelaient fruit des dieux alors que les Romains développaient sa culture à force de greffons. Ce sont d'ailleurs les Romains qui les premiers ont envisagé la cuisine de la poire. Pour varier leur plaisir, ils la consommaient cuite ou séchée au soleil. Plus tard, la poire est considérée comme le fruit des rois. Maintenant que vous savez tout, il ne vous reste plus qu'à trouver des idées de recettes avec des poires dans la boîte à recettes. Point supérieur à avoir aussi, toutes nos recettes avec des